Français vient ce samedi. On est à la cinquième journée du championnat. C'est le troisième match à domicile. Une défaite, une victoire. Ça se présente comment ? Tous les matchs sont compliqués. On prend les matchs l'un après l'autre. Voilà, on a eu une défaite, une victoire à la maison. On se doit de gagner ce match qui est très important pour nous, pour continuer sur lancer, même qui a été un peu dur contre Montpellier. Mais voilà, on fait de bonnes choses aux entraînements, on progresse et voilà, on est tous dans le même bateau. Quand on regarde le match contre Montpellier, vous avez produit avec le peu de ballon beaucoup de jeux. Le Stade français, depuis le début de la saison, est un petit peu dans ce même style. Vous pensez que ça risque d'être une opposition agréable à voir peut-être ? Oui, bah j'espère qu'il y aura du jeu, j'espère qu'il fera beau, j'espère qu'on pourra voilà, prendre du plaisir à jouer tous ensemble. Après, c'est sûr qu'à Montpellier, on a eu peu de ballons et sur le peu de ballons qu'on avait, on a réussi à produire de belles choses. Donc voilà, il n'y a pas de questions à se poser et il faut jouer. Quoi. Vous regardez comment, vous, de derrière, ces ballons qui ne viennent pas, ou cette mêlée qui est fortement, ou cette touche qui ne fonctionne pas ? Il y a des difficultés, oui, devant, on le sait. Voilà, après, les gros travaillent beaucoup, voilà, ils se remettent en question. Nous aussi, on n'est pas irréprochables derrière, donc voilà, on fait aussi des fautes. Voilà, comme je disais, on est dans le même bateau et on travaille aux entraînements, chacun de son côté, pour améliorer et pour pouvoir gagner ces ballons et vraiment les conclure en bout de ligne. Oui, clairement, il y a une grosse pression aujourd'hui sur Pau qui ne peut pas se permettre de perdre samedi contre le Stade français, vu le calendrier. Tout le week-end, c'est serré, il y a de la pression, mais là, il y en a beaucoup. Oui, il y a de la pression comme à chaque match de top 14, c'est du haut niveau chaque fois. Après, c'est sûr, il y a toujours plus de pression quand c'est un match à domicile contre une grosse équipe qui a été quand même champion de France il y a 2 ans, même s'ils ont eu une saison un peu difficile l'année dernière. Voilà, on a vu qu'ils avaient fait des bons matchs, ils ont produit un très beau spectacle contre Clermont à la maison. Donc voilà, ils viennent relâcher, c'est nous qui avons un peu la pression, mais voilà, on est dans notre cocon et on travaille de notre côté sans se poser trop de questions. Vous avez les moyens de les battre, ces joueurs parisiens, ouais, clairement. Oui, bien sûr qu'on a les moyens. Après, voilà, il y a des aléas dans une saison. Voilà, faut pas se poser de questions, il faut continuer à bosser. C'est quoi l'effort de Paris aujourd'hui ? Ils ont des internationaux un petit peu partout. Il y a une force particulière ? Non, je sais pas si c'est une force particulière. C'est un groupe très complet. Ils ont eu un changement un peu de staff. Ils ont pu améliorer un peu leur truc et ils sont vraiment bons après dans la conquête devant et derrière. Ils produisent de belles choses, donc. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose de très précis chez eux qui est fort, mais c'est très complet. Quoi. Tu connais des joueurs personnellement, enfin, ils sont peut-être plus âgés que toi. Non, je ne connais pas personnellement des joueurs. D'accord. Tu peux nous parler des conditions de ta venue au Racing, tu étais en fin de contrat ou pas là-bas ? Oui, j'étais en fin de contrat. Et donc tu as signé au Racing et tu es ici en prêt ? J'ai signé 3 ans avec le Racing et je suis prêté un an à la section. Et tu avais d'autres options que la section paloise ou... Oui, oui. Ouais. Et pourquoi tu as choisi Pau alors ? Parce que le projet m'a plu, je me suis très bien entendu avec le staff et voilà, le projet m'a plu. J'ai vu qu'il y avait une possibilité un peu pour jouer ici et voilà, on a vu le recrutement qu'ils ont fait, le budget, il y a vraiment quelque chose de très bien à faire ici. Quoi. Quand tu parles de possibilité, tu parles de temps de jeu ? Oui, de temps de jeu. Donc tu avais aussi l'option de signer au Racing et de rester là-bas ? Oui. Mais où tu aurais eu moins de temps de jeu, j'imagine ? Oui, sûrement, oui. Et donc c'est quelque chose que tu as envisagé de rester, malgré la grosse concurrence ou... Oui, c'est quelque chose que j'ai envisagé, parce que j'ai quand même du temps de jeu l'année dernière avec le Racing. Mais bon, voilà, après, j'ai été séduit par le projet de la section, et je suis bien ici, pour l'instant, je fais tous les matchs, donc tout se passe très bien, et voilà, après, je me pose pas trop de questions, je prends les matchs les uns après l'autre, et on verra à la fin de l'année. Simon, tout à l'heure, parlait du bienfait pour les jeunes, de la proximité avec les trois All Blacks, notamment. Oui. Est-ce qu'au quotidien, comment ça se passe pour toi de jouer avec quelqu'un comme Conrad ou comme Tony ou Tom ? Moi, je suis très proche de Tom, donc on s'entend très bien, on parle beaucoup. Je fais des progrès en anglais, lui, il fait des progrès en français, donc c'est bien, chacun de son côté. Et après, voilà, c'est toujours... quand on est jeune, français, quand on voit des stars comme ça, forcément, on les écoute, ils nous donnent beaucoup de conseils, et on essaie de faire au mieux que possible, quoi. Est-ce que concrètement, par exemple, que ce soit en match ou à l'entraînement, il arrive effectivement à Conrad de te donner des conseils sur ton placement ? Oui, bien sûr. Après, on connaît chacun notre placement dans le jeu. Mais voilà, si on a fait une faute ou il y a un conseil qu'il peut nous donner, on l'écoute et on essaie de le faire au mieux. Quoi. Quel regard tu as sur les jeunes de la section, puisque
Ils avaient côtoyé avec les espoirs en jouant avec le Racing. Là, cette année, il y a peu d'étrangers aux ailes. Enfin, il y a des étrangers, mais enfin, des joueurs aux ailes, mais il y a beaucoup de jeunes. Tu as quel regard par rapport à ça ? Enfin, moi, quand j'ai vu tous les jeunes qu'il y avait, je me suis dit que c'était une opportunité pour venir jouer ici. Voilà. Le club a pas peur de faire jouer les jeunes joueurs français. Donc voilà, c'est très intéressant. Et je pense que après on fait du bon boulot, les jeunes. Donc voilà, on essaie de faire le mieux possible. Et voilà, on s'aide les uns les autres. Et ouais, il y a beaucoup de jeunes qui méritent de jouer, quoi. Et